nous avons appris qu'il a pas avec, il a commencé avec la campagne, notamment avec l'une des chansons qui lui a été, une chanson qui lui a été chantée par Monsieur Antoine Agwepa, alias Koffi Olomide, un des artistes musiciens originaires de la RDC. Est-ce que, bon, je ne sais pas, il n'a pas confiance, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas confiance aux musiciens congolais, brazzavillois, pour faire le choix sur Koffi C'est Olomidé? bon, mais il est libre. Nous, on est démocrate, il est libre. Mais ce que nous n'avons pas aimé, c'est le fait qu'un artiste, un musicien africain de la taille de Koffi vantait les gloires d'un monsieur aussi nul comme Denis Sassou Nguesso. Un monsieur nul à la tête d'un pays. Il est arrivé là par procuration. Denis Sassou Nguesso, c'est un mercenaire de la France. Il est venu pour piller notre pays, ça nous le savons. Maintenant, pour Koffi, Oui, qu'est-ce que vous reprochez à Kofi? Koffi Olomidé. nous lui reprochons d'avoir vanté les gloires d'un antivaleur. Nous lui reprochons de tenter désorienter la jeunesse, de dépraver nos mœurs. Et pour cette À raison, travers la chanson. bien sûr, pour cette raison, si nous, démocrates, nous prenons le pouvoir, Koffi ne mettra plus pied au Congo-Brazzaville. Mieux, nous allons lui porter plainte pour vol systématique, Vol. Vous les qualifiez de systématique. voleurs. Je dis bien vol systématique des biens du Congo, notamment les ustensiles en or massive et un véhicule de plus de 100 000 de dollars américains. Vous avez des preuves Bien là-dessus? sûr que oui, Vous avez des preuves? je suis candidat président de la République. Je sais de quoi je parle. Vous avez réuni toutes ces preuves contre Koffi Olomidé? Koffi Olomide sera poursuivi pour vol systématique des biens du Congo-Brazzaville si les démocrates dont je fais entièrement partie prennent le pouvoir. Et c'est pour bientôt. Et cela va se faire parce qu'il a tout simplement soutenu Denis Sassou Nguesso. Ou bien c'était une démarche qui date de longtemps. Non, je dis pour avoir soutenu l'antivaleur Denis Sassou Nguesso, il ne mettra plus pied au Congo. Mais au-delà de ça, une plainte sera déposée contre sa mauvaise moralité. Voilà, là, ce sont les propos sortis de la bouche de M. Amedeo Dello Luemba. Il est candidat président de la République déclaré au Congo-Brazzaville. M. Amedeo Dello Luemba, merci d'avoir C'est accepté. moi qui vous remercie, Monsieur Patrick. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'attention que vous lui avez accordée. Restez branchés sur Africa Télévision, les programmes continuent.